Retour très probable de Danse avec les Stars début 2024, nouvelle formule hebdomadaire de Camille et Images tous les jeudis, en deuxième partie de soirée, à partir du 9 novembre. Camille combat les belles et bien inarrêtables. Arrivé au sein de groupe TF1 en 2018, l'animateur multiplie et enchaîne les projets à un rythme effréné. Le jeune quadra n'hésite d'ailleurs pas à dévoiler les coulisses de ses émissions sur ses réseaux sociaux, mais aussi parfois, avec plus de parcimonie, quelques bribes de sa vie de famille. En couple avec la journaliste Marie Treya Stéphanie qu'il a épousée en 2019, le présentateur de Mask Singer est effectivement l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Pio qui est né en mai 2022. Et justement, c'est un nouveau cliché adorable de son fils que Camille Combat l'a publié en story sur Instagram, ce samedi 21 octobre. Gros cache-cache, a-t-il indiqué alors que la photo ne montre qu'une petite main et des petits pieds de bébé dépassant de derrière une porte de placard. Fidèle à l'énergie débordante et l'enthousiasme communicatif auquel il a habitué ses téléspectateurs, le jeune père de famille n'avait pas caché sa joie quand un confrère du Parisien lui a demandé, en mai dernier dans le podcast Code Source, comment il vit cette paternité. C'est fou, c'est génial, je suis à fond, s'était-il exclamé. Et d'ajouter, chaque jour qui passe est encore un peu plus kiffant, je trouve. Victoria Sylvie Estet, Sébastien Follin, Aïda Touiri, que deviennent les animateurs stars des années 2000? Camille Combal, pas vraiment fan des comptines enfantines et pourtant, il y a tout de même un moment qui l'a fait déchanter cet été, c'est le trajet en voiture sur la route des vacances. Le 15 juillet, l'animateur de 42 ans avait effectivement pris soin de partager une vidéo le montrant au volant avec un air un poil désabusé. Et pour cause, on y entend son épouse chanter plusieurs comptines pour enfants bien connues du répertoire français. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacovide Moreau.